Depuis 4 ans, nous fabriquons des cellules extensibles, donc sous forme de caravane, des cellules qui permettent de multiplier par 3 la superficie initiale. Ici, vous voyez donc le premier 3XEC, c'est son nom, on l'a appelé ainsi, donc le premier 3XEC qui est monté sur un Fiat Ducato. Je vais vous faire une démonstration de l'ouverture. On a simplement rabaissé les ridelles. Il suffit d'appuyer sur cette télécommande, sur un bouton, et vous allez voir que au bout de 60 secondes, la structure est ouverte et donc peut être utilisée, prête à l'emploi. Nous utilisons pour ouvrir la cellule des vérins qui sont électriques 12 volts. Donc ça fonctionne sur la batterie. Donc on a une batterie auxiliaire. Cette batterie auxiliaire peut être rechargée par le véhicule ou on peut être branché également sur le secteur. Et voilà. Donc maintenant que nous avons ouvert la cellule, nous allons baisser les 4 vérins qui sont des béquilles de maintien de la cellule avant de monter dedans. Donc pour cela, c'est assez simple, on retire l'axe, on descend la cellule, le pied, et on remet l'axe de fixation. On fait ça pour les 4 vérins. Donc nous sommes ici dans une configuration professionnelle telle que l'a voulu le client et donc pas du tout aménagée en mode loisir. Cette configuration en fait comprend deux bureaux de chaque côté aux extrémités, deux bureaux fermés pour, avec une petite table et 3 chaises. Et dans cette partie centrale, on va trouver des coffres de rangement sous ces coussins, une climatisation pour le chaud et le froid, un petit frigo d'appoint, un petit évier, un micro-ondes, des placards de rangement et enfin ici, des toilettes. Alors on a une surface de 12 mètres carrés quand c'est ouvert, 3 fois moins quand c'est fermé, c'est-à-dire 4 mètres carrés. Alors ce concept 3XEC est totalement nouveau et innovant. L'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus compact qu'un camping-car et beaucoup plus grand qu'une simple cellule sur un pick-up. Alors une question fréquente que nous avons évidemment, c'est l'étanchéité de ces structures extensibles. Depuis plusieurs années, nous utilisons des joints brosses, une double barrière de joints brosses qui permet d'être totalement étanche à l'eau et en partie à l'air. Évidemment, si c'est pour une utilisation durant l'hiver, nous étudions actuellement une étanchéité supplémentaire en plus des brosses à l'aide d'un joint gonflable qui permettrait d'être totalement étanche.